À chaque fois que tu fais des actions, pense que tu es en train d'accumuler de l'expérience pour pouvoir devenir la personne, pour pouvoir générer du cash. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. Tu connais, n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, les vidéos, nanana. Faut t'abonner les gars, à un moment donné on fait comment sinon? Ok, donc ici c'est Jonathan Chin, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé, être une meilleure version de toi-même, pouvoir voyager où tu veux, découvrir de nouvelles cultures, chaque pays est différent. Tu vois, là je viens d'arriver au Brésil, tu te dis bon, on est dans l'Amérique latine. Tu te dis, bon, bah, j'étais en Colombie juste avant. Tu te dis, bon, bah, ça doit être à peu près pareil. Non, ça n'a rien à voir. La musique, c'est pas du tout la même chose. Ils dansent pas du tout de la même manière. Ça, c'est qu'un exemple, tu vois. Ils parlent pas la même langue. Alors, pourtant, ils sont collés. Hein. Bah, tu me diras, ouais, la France-Italie aussi, c'est collé. Et pourtant. Bah, bref, tout ça pour te dire que super enrichissant de pouvoir voyager où tu veux. Enfin, moi, je kiffe les voyages. Après, si tu kiffes pas, tu kiffes pas, tu vois. Mais si tu kiffes, il va bien falloir créer ton business en ligne et pouvoir voyager où tu veux. Hein. Et l'avantage, c'est que la liberté géographique, ça va beaucoup plus vite que la liberté financière. Tu vois, dès que tu commences à générer tes premiers euros, tu peux rapidement bouger, voyager où tu veux, travailler d'où tu veux. Tu vois. Parce qu'en général, l'euro, il est plus fort que la plupart des pays dans lesquels tu voudras aller ou que tu voudras visiter. En tout cas, tu as un large panel de pays où tu peux visiter en ayant, je sais pas, même... Je sais pas moi, ici si tu génères le Brésil, même Colombie, même l'Amérique latine, je dirais. Ah, peut-être l'Argentine, ça peut être plus cher. Mais je sais pas moi, entre 2000 et 3000 euros, tu devrais pouvoir vivre, normalement, tu vois. Ok. Et même bien, même. Je pense, 2000 euros, tu devrais pouvoir vivre. Ouais, tu vis bien quand même. 2000, à partir de 2000 dollars, je pense que tu vis bien. Tu vis bien, tu vois. T'es tranquille, normal, ça va. Tout est bien. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc tout ça, bon, pour toi, pour te dire que moi j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, pourtant j'ai réussi à le faire. Ok, donc arrête de faire des excuses. T'as la masterclass offerte où je te montre exactement comment être libre géographiquement pour pouvoir voyager et vivre de ton business. Et passons directement au sujet de la vidéo. L'erreur que 87% des futurs millionnaires commettent hein, à chaque fois. Et donc en gros, bon, c'est un petit peu titre genre en mode, tu connais, tu es un petit millionnaire, vous kiffez plus. Hein, en vérité, la vidéo devrait s'appeler l'erreur que font la plupart des gens qui veulent réussir ou qui sont sur le chemin de vouloir réussir. Bon, après, ça revient au même. En fait, c'est une discussion que j'ai eue avec un pote à moi qui est en fait en train d'essayer de lancer son business en ligne. Donc, il a acheté une formation et donc, du coup, il est en train de passer à l'action. Et du coup, j'ai cet échange, ce partage avec lui parce qu'il me disait des choses. Il voulait changer, il avait déjà commencé à faire une action, mais après, il voulait la changer, etc. Et je vais partager ce que je vais partager avec toi. Donc là, ça se trouve, tu es dans la même situation. Tu as pris conscience, ok, que le business en ligne, ça fonctionne. J'arrive pas à y croire qu'il y a des gens encore qui n'ont pas conscience de ça. Mais en tout cas, tu fais déjà partie des gens qui sont conscients que ça fonctionne. Tu crois en toi, tu sais que tu peux y arriver. Ok, donc tu as commencé où tu vas prendre une formation en ligne. Tu as commencé à mettre en place. Parce que quand tu achètes ta formation en ligne, c'est que le début. Hein. C'est le début du chemin pour pouvoir devenir qui tu veux devenir vraiment. Maintenant, ils pensent que c'est une fin. Non, c'est que le début, mec. Et donc, du coup, tu commences à apprendre ta formation en ligne, etc. Et tu commences à mettre tes premières actions en place. Et c'est là où on arrive. C'est que la plupart des gens, en fait, sont perfectionnistes. Et c'est ce qui est arrivé à un pote à moi. En fait, ils cherchent à faire l'action qui est sûre qui va le faire péter. Et j'ai dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc déjà, il y a le délire de perfectionniste. Tu vois, donc ça peut passer par le délire de perfectionniste et ça peut être le truc aussi où tu as peur en fait finalement. Tu as peur, tu te dis ouais mais là si jamais je fais pas le bon truc, ça va pas, ça, cette action là c'est pas ce qui va me permettre que ça fonctionne. Donc vaut mieux que je change alors qu'il était prêt de concrétiser cette action là. Mais genre au dernier moment il dit non vas-y j'arrête tout, je vais repartir sur un autre truc. Je dis mais gars ça, tu vas jamais t'en sortir si jamais tu fais ça. Donc la première erreur c'est de croire que l'action que tu vas faire, que genre si jamais tu es super perfectionniste, et ben ça va te permettre de péter. Alors, tu vas faire cette action-là, ça te permet de péter. Par exemple, si jamais tu es influenceur 2.0, tu te dis, ah vas-y, cette vidéo, je vais la sortir. Et au moment que tu dois sortir cette vidéo, tu te dis, ah ouais, mais attends, je regarde, j'ai vu qu'il y a un autre gars qui a fait la même genre de vidéo et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc finalement, je ne vais pas faire cette vidéo-là, je vais en faire une autre, alors qu'elle était déjà prête à être publiée. Tu vois, c'est carrément le même exemple quoi, que mon pote, c'est le même délire. Tu vois. C'est genre, tu es prêt à publier la vidéo, mais tu te dis, ah ouais, mais attends. Je viens de voir une autre vidéo d'un gars qui a fait le même truc.
et elle n'a pas fonctionné, donc vaut mieux pas. En fait, t'en sais rien. Ça se trouve, toi, tu vas traiter le même sujet qu'un autre gars, d'accord, mais elle va péter cette vidéo. Ou peut-être qu'elle va pas péter aussi, tu vois. Donc en fait, déjà, le premier truc, c'est qu'il faut tester. Et ça fait partie du chemin de tester. Tu vois, ça peut être aussi pour, si c'est dropshipping, par exemple, si tu fais de l'e-commerce, genre, tu réfléchis au moment où tu dois plus, je sais pas, tu as trouvé un produit, tu veux le marketer, et au moment où tu veux le lancer, tu te dis, ah, mais tu avais un autre qui a fait, mais finalement, ça n'a pas fonctionné, tout ça, etc. Ça peut être aussi, et donc du coup, tu recules, tu te dis, ah non, je change, et puis finalement, tu le fais pas, etc. Tu ne lances pas finalement. Ou ça peut être, par exemple, ton premier achat immobilier. Tu te dis, ah ouais, mais est-ce que c'est le bon appartement-là? Au moment où tu dis, vas-y, tu veux faire une offre, tu te dis, ouais, mais attends, Nani, tu cherches. Mais en fait, tout ça pour dire, et je vais te partager ce que j'ai dit à mon pote. En fait, quand tu te lances dans le business comme ça, c'est que tu n'es pas en train de chercher l'action pour pouvoir péter. Tu es en train de te préparer à avoir du succès, en fait. Tu es en train de te préparer à pouvoir devenir un grand entrepreneur et à générer beaucoup de cash. Et ça, ça ne se va pas se faire en une action. Le problème, c'est que les gens, ils ont ce mindset, et c'est exactement comme ça qu'ils réfléchissaient. Ils cherchent à faire le bon truc pour être sûr que là, boum, il va faire ça, il va devenir millionnaire. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si tu as une formation, déjà, ça te fait gagner énormément de temps, tu vois. Et c'est pour ça que ta réussite, elle sera de 0 à 5 ans parce que tu as toutes les bonnes informations, tu vois. Mais ta manière de penser, elle doit être, je suis en train de me préparer à devenir successful. Tu ne vas pas pouvoir péter en une action, tu vois. Et même si par la chance du débutant, tu arrives à trouver le truc qui te fait péter, ça va aller trop vite. Il y a de grandes chances que ça va être trop vite, que tu ne saves pas gérer vraiment ce succès-là et que même si le succès que tu as ou l'argent que tu vas faire rentrer, eh ben, il ne serait pas à hauteur de si jamais tu avais plus d'expérience dans le business. Donc peut-être que tu vas générer un petit peu de cash avec la chance du débutant, ce qui arrive carrément jamais, hein, concrètement. Il n'y a personne qui réussit du premier coup à faire un truc et ça fonctionne, ça pète direct. Il n'y a personne. Okay? Mais imaginons, hein, je mets cette hypothèse, genre il y a un gars qui arrive à trouver la chance du débutant et il pète sur la première vidéo qu'il fait ou un truc comme ça. Dans tous les cas, tu ne seras pas productif dans comment produire le maximum de richesse de cette opportunité. Parce que tu n'as pas l'expérience, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit si jamais tu as fait ta vidéo YouTube, tout ça, même si tu as la formation, tu vois. Tu vas réussir à générer du cash, mais pas autant que si jamais tu as l'expérience. Donc en fait, à chaque fois que tu fais des actions, pense que tu es en train d'accumuler de l'expérience pour pouvoir devenir la personne, pour pouvoir générer du cash. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Parce que c'est pour ça que les gens, la plupart, ils sont découragés ou ils font une action, ah, ça ne marche pas, ils font deux actions, ah, ça ne marche pas, une troisième action, ah, ça ne marche pas. Ben oui, mais en fait, tu es en train de… C'est comme si tu étais en train de monter les échelons, en fait. À chaque échec, tu es en train de monter les échelons pour pouvoir avoir le succès, avoir l'argent que tu veux, en fait. C'est comme un diplôme, si tu veux. C'est comme si là, tu étais en seconde, boum, ah, tu es en train de passer à la première et à la terminale, etc. Tu vois, tu es en train de monter en fait les grades petit à petit à chaque fois que tu fais, tu passes une action et que ça ne fonctionne pas. Donc, quand je lui ai expliqué ça comme ça, j'ai vu que ça, qu'il a mieux compris. Et du coup, il a changé carrément son mindset et il va faire l'action qu'il avait prévu de faire, tu vois. Parce que même si tu sais que tu vas faire une action que genre, tu te dis ça va pas fonctionner, déjà, tu sais pas. Parce que même moi, des fois, je fais des vidéos vite fait, je sais pas quoi. Il y en a qui fonctionnent. Des fois, il y en a, je prends du temps, je réfléchis, nanana, et ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, tu ne sais jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours tester parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, le marché, ta personnalité, etc. en fonction des différents business dans lesquels tu te lances. Tu vois, donc, lance, fais ton action, tu vas prendre de l'expérience, tu es en train de te préparer pour devenir riche. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu vois genre, tes actions, genre je mets mon action pour devenir millionnaire, pour faire de l'argent là maintenant. Non, tu lances cette action-là pour pouvoir commencer à créer, à avoir cette expérience, développer cette expérience pour pouvoir te préparer à devenir successful comme le nom de la chaîne, c'est-à-dire de pouvoir avoir du succès dans le monde des affaires. En gros, faire de l'argent, quoi, pour faire simple. Je veux faire genre des grands mots pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir avoir ton indépendance financière, pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixé. Donc, pense comme ça. Chaque action que tu es en train de faire, tu es en train de te préparer à devenir la personne que tu veux devenir et donc d'avoir les résultats que tu veux devenir. Pas genre tu fais une action pour devenir millionnaire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si tu penses comme ça, tu ne seras pas déçu et tu comprendras mieux le cheminement. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre l'exemple des millionnaires qui gagnent au loto, tu vois, ou des multimillionnaires qui gagnent au loto. En fait, ils n'ont pas préparé cette réussite en fait. Le fait d'avoir autant d'argent, ils ont pas pu avoir l'expérience pour pouvoir savoir comment générer cet argent-là. Tu vois. C'est tombé du ciel, boum, comme ça, et ils n'ont aucune préparation, que ce soit au niveau d'état d'esprit, que ce soit au niveau de la connaissance pour pouvoir générer du cash. Tu vois.
Parce que quand tu vas passer à l'action comme ça, l'expérience que tu vas développer, ça va être du mindset, ok, et ça va être aussi de la connaissance. Donc c'est un mélange des deux qui te permet d'avoir les résultats. Et donc c'est pour ça que les joueurs du loto, ils perdent de l'argent 2-3 ans après. Ok, donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est super important. Arrête de voir les actions genre, ah, j'ai fait cette action-là pour devenir, pour faire de l'argent, pour faire de millionnaire. Non, tu fais cette action-là pour pouvoir apprendre en fait, pour pouvoir accumuler de l'expérience et pour pouvoir devenir la personne qui va mériter en fait cet argent, qui va arriver tôt ou tard. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais t'as pas aimé la vidéo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on sait jamais, les gars ils sont énervés. Non, non, mais pourquoi? Non, j'en ai marre de ma life. Ouais, mais frère, bouge-toi, c'est tout. Ok, donc t'as la masterclass offerte si jamais tu veux aller plus loin pour où je te montre exactement comment être libre géographiquement, voyager où tu veux. Ok, et sinon les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux. Et à nous, je suis à ton camp.